Monsieur Lender, vous présentez Chica Dream. Qu'est-ce que vous pensez de sa dernière sortie, c'était à Châteaubriant ? Ben, sa dernière sortie à Chica Dream, elle était pas très bonne, non. Donc j'espère qu'il va se racheter à Nantes, sur un terrain plus souple. Il y avait une explication, parce que bon parcours ce jour-là. Hein. Ouais, bon parcours et ouais, le terrain léger, donc ça n'a pas dû l'arranger. Et puis bah, il est vieux, donc il faudrait du terrain un peu plus souple. Comment ça se passe à l'entraînement depuis ? Là, il est bien. Il est comme, bon, il connaît la piste par cœur, donc c'est pas facile d'être sûr qu'il soit au top, mais il est pas mal. Cela dit, vous le connaissez par cœur également. Vous l'avez vu ce matin ? Oui, oui. Non, il est pas mal. Bon, le Chica Dream et Nantes, c'est une longue histoire. Bah oui, il aime bien Nantes. Hein. Bon, s'il court bien, il courra la liste du mois de juillet. Hein. C'est son programme. Il a les moyens de refaire parler de lui là, sur. Oui. Bah on va le savoir mardi, j'étais quand même déçu même en terrain léger la dernière fois. Ouais, vous êtes un petit peu dans l'expectative, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'il fait bien cet hippodrome de Nantes? Bah, les chevaux Norbert font bien Nantes. Parce qu'il faut être vite de l'avant, c'est... Oh non, pas spécialement, mais le terrain vallonné comme ça, ils se mettent sur le mort et voilà. Parce que lui, il a rarement déçu à Nantes, hein, comme vos chevaux d'ailleurs. Bah oui, non, normalement ça va. J'espère, sinon ça sera la retraite. Donc vous en pensez que vous entendez quand même une bonne sortie? Bah je pense, ouais. Mais c'est peut-être pas pour la gagne, hein. Maintenant à son âge, c'est plutôt 4-5e, on sera déjà content. Merci.